Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon. Alors, on n'est pas habitué à en faire sur la chaîne, hein, mais j'avais dit que j'en ferais un petit peu. Et on peut remercier du coup Asgard TCG qui a fait un tirage au sort plutôt, pour éviter en ce moment toute la hype qu'il y a avec Pokémon et donc la difficulté de trouver des boosters. Ils ont fait au cas par cas pour éviter ce qu'on appelle les scalpers. Les monsieur là qui rachètent les cartes Pokémon pas chères pour les revendre extrêmement chères. Et du coup, c'est honteux parce que des gens comme moi qui veulent acheter de temps en temps, comme ce magnifique produit... Et bah du coup on peut pas en acheter parce que ça devient soit hors de prix, soit c'est impossible à trouver vu que tous les stocks sont vides et donc forcément les prix augmentent. Donc encore merci Asgard TCG puisque grâce à eux du coup j'ai pu obtenir ce magnifique prix pack. Alors pourquoi j'ai pris en particulier du coup Évolution Céleste comme booster? C'est parce que dedans il y a des petites cartes Evoli que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en choper une. Alors je sais que le taux est très bas, sans compter qu'il y a plein d'évolutions d'Evoli différentes, hein, que ce soit Pyroli, Vitali, etc. Et justement je voudrais Pyroli parce que je la trouve magnifique. Bref, il y a 3 boosters dedans avec la carte promo, on voit, c'est Noctali, donc voilà, on a une carte promo Noctali. Et ensuite, pour le reste, on va croiser les doigts. C'est bon, c'est... Oh, d'accord. Alors, moi, ça, j'en ai rien... il y en a plus... Ah non, mais il y a le Noctali qui est là, donc voilà, on a le magnifique Noctali. J'allais dire, justement, ça, je m'en fous, donc c'est ce premier qui l'utilise, premier arrivé, premier servi. Voilà, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Je crois que ça permet de pouvoir jouer avec... Avec le jeu Pokémon en ligne, je crois, c'est ça, Pokémon FR, je sais, voilà. Mais je suis pas là pour y jouer. Je suis là pour collectionner quelques cartes qui m'intéressent. Allez, 3 boosters, on y croit. Let's go, let's go. Le premier. Alors les boosters, on les ouvre à l'arrache. Je sais pas du tout comment s'ouvre les boosters Pokémon. Contrairement au booster Yu-Gi-Oh, là. Ok, on peut les ouvrir comme ça. Ça marche. Je sais pas du tout où se trouve la carte. Ah bon, voilà, hein, on a le machin. Je sais pas du tout où se trouve la fameuse carte rare à avoir, donc je ne pourrais pas trier les cartes. Granipio. En plus, je le connais. Ponchio, je le connais. Drabi. Lui, je le connais, mais moyen. Alors, lui, je le connais pas du tout. Et Lionceau. Alors, je sais pas. Je sais pas d'où il sort celui-là. Mais Nupio, ça va, c'est un Pokémon que je connais. Aquaquac qui brille. Je connais pas du tout les rares Pokémon. Ok, on a un Aquaquac brillant, joli, avec des trucs d'eau là. On voit bien qu'elle brille, elle est jolie. Voilà. Une carte énergie pareil, brillante. J'ai une énergie brillante. Voilà. Une énergie normale. Valise de secours, caverne de cristal et Cécraclo. Alors lui, je connais. Cécraclo, pardon. Cécraclo. Lui, je le connais parce que c'est un iceberg dans Pokémon épée. Bon, alors on a deux petites brillantes, mais voilà. Il n'y a pas d'évolis, pas d'évolution d'évolis. Allez. Du coup, il reste deux boosters. Oh, putain, si j'en ai pas. J'avoue, je serais un peu triste si j'en ai pas. Ah, l'ouverture du désastre. Mon dieu, l'ouverture du désastre. Alors. Tac. Le code promo, à nouveau, hein, utilisez-le. Si vous voulez. Alors, à nouveau un Lionceau. Allez, déjà, ça commence. Oh, pff, on est Nupio, allez, hein. Deuxième, comment on appelle ça, doublon, hein. Ah, Tedursa. Alors Tedursa, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans un jeu Pokémon. C'est vrai que dans Épée Bouclier, il n'y est pas. Exagel, lui je le connais. Goupilou, il me parle aussi. Si, je vois qui c'est. Ah, Kyurem. C'est peut-être un légendaire, mais je suis pas sûr. ça fait... Je suis à la ramasse sur Pokémon, c'est un truc de fou. Ok, Kyurem, ok, on est en rare. Un Bachitrouille. Une énergie, ok. Dresseur, aromathérapeute. Alors ils savent que j'aime les decks aroma, donc c'est pour ça. Valise de secours encore, super doublon. Baguide et... Oh, un Noctali. Bon, on a eu un Noctali. Est-ce que c'est le même que celui qu'on a eu sur la carte promo? Je sais même pas ce que j'ai foutu la carte promo. Non, je crois que j'ai ramassé celui de la carte promo et que je crois que j'ai... Il y a moyen. Je suis nul en carte Pokémon, je l'avoue. Je crois que c'est Noctali qui était sur la boîte. My bad. Bon, il nous reste un booster. Ça, utilisez-les, hein, je m'en fous totalement. C'est pour ça que je vous les montre. Il nous reste un booster, faut croiser les doigts pour essayer de choper, du coup, l'une des précieuses cartes rares. Évolution d'Evoli que je recherche. Donc, voilà, ça pareil, hein, utilisez-le si vous voulez. Je tamponne le coquillage. Et on est parti avec le chauve-sourire. Tournicoton, Tournicoty, Barpo. Pourquoi il est marqué 1000 points? Ça, je sais pas, ça doit devenir une extension spéciale. Je ne connais pas assez, malheureusement. Hippopotas, Ponchio,
Galerie marchande. Carte dresseur qui brille. Oh, Léviator V. Ok. Ok, alors c'est sympa. C'est vachement sympa, mais c'est pas une évolution des bruits. Je sais même pas si c'est à cote ou pas. Du coup, j'ai un Léviator V. C'est quoi la différence entre V et V Max? Aidez-moi dans les commentaires. Apprenez-moi un petit peu, ça sera cool. Une énergie, ok. Un Dracos. Et un bec à glaçons. Et pour finir, le casque intégral. Bon. Sur une ouverture, on a quand même eu des petites cartes sympas. Mais je m'y connais pas assez pour vous savoir si ça vaut quelque chose ou si ça vaut rien. Malheureusement. Par contre, je suis très triste. J'ai pas eu une seule évolution d'évolution. Faut pas que je craque si jamais... J'ouvre un autre pack. Bon, tout en attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on essaiera de faire de temps en temps des ouvertures Pokémon. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très bientôt pour une prochaine ouverture. La bise!